des invités quelque peu indisciplinés. Depuis plusieurs jours, Cyril Lignac se met derrière les fourneaux de sa boutique pour présenter l'émission Tous en cuisine, menu de fête. S'il peut compter sur la présence de son acolyte Jérôme Anthony, le cuisinier de 45 ans reçoit tous les soirs de prestigieux invités. Pour ce nouveau numéro de son émission culinaire, diffusée ce lundi 12 décembre sur M6, Cyril Lignac était en compagnie de Francis Huster et Michel Leeb. Les comédiens avaient pour mission de concocter des Saint-Jacques au miso et volailles rôties aux épices santé accompagnées d'une purée vanille. Et le moins que l'on puisse est que la bonne humeur était au rendez-vous dans la cuisine des deux compères. Lui, c'est Pipo et moi c'est Mario, a révélé Michel Leeb. Avant de faire une confidence sur ses talents de cuisinier, moi, je sais très bien faire les œufs à la coque. Et je serais bien content si on ne faisait que ça. Pris d'un fou rire, Cyril Lignac a tenté de retrouver son sérieux. Dès lors, le jury du meilleur pâtissier s'est inquiété de l'avancée de la préparation de ses deux invités. Non mais Michel, là le vin blanc, tu l'as mis dans la sauce miso? Vous en êtes sûr? A-t-il demandé à l'humoriste de 75 ans. Totalement déchaîné, ce dernier a assuré à Cyril Lignac qu'il suivait à la lettre les indications de la recette. On a tout mis, a-t-il révélé en éclatant de rire. Et de poursuivre avec un accent italien, c'est nous les pigeons, en référence à sa pièce de théâtre qu'il joue avec Francis Huster. Difficile alors pour Cyril Lignac de rester concentré face au sketch offert par les artistes. Je ne vais pas réussir à faire la recette, a-t-il avoué totalement dépassé par la situation. Si ce dernier a retrouvé ses esprits pour préparer au mieux sa cause, les deux amis étaient toujours aussi dissipés. Supérieur à Cyril Lignac, retour sur son évolution physique et tout en cuisine, les téléspectateurs surpris par le comportement de Francis Huster et Michel Leeb. Si Cyril Lignac a été amusé par le comportement de ses invités, il en est tout autre pour les téléspectateurs. Face à l'hilarité de Francis Huster et Michel Leeb, certains internautes ont quelque peu été choqués par leur attitude et n'ont pas tardé à le faire savoir sur Twitter. Ils sont gênants hashtag tous en cuisine, hashtag tous en cuisine Francis Huster torché en direct sur M6, je n'ai pas reconnu Francis Huster, peut-on lire sur le célèbre réseau social à l'oiseau bleu. Selon eux, les deux comédiens n'étaient pas sobres pour cuisiner. En espérant que demain il y ait des invités qui savent se tenir. Honteux ce soir hashtag tous en cuisine ou encore si estime-moi ou Francis Huster a un coup dans le nez? Hashtag tous en cuisine, ont-ils écrit. Crédit photo, capture d'écran tous en cuisine, M6.